Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvel épisode sur Overkman. Donc, on est parti. On va voir ça ensemble ce qu'on a à faire. Voilà, la petite musique qui va bien. Donc, je suis pas à la bonne vue. Puis sur C pour revenir à la troisième personne. Voilà. Donc, on va faire les mauvaises herbes. Voilà. Normalement, on avait prévu de faire le fromage, mais c'est fermé, donc on verra plus tard. Allez, on est parti, les amis. Donc, tout d'abord, en réponse du commentaire à Vincent, bien entendu, la map, la reconversion, elle est pour moi personnellement. Bien entendu que si il doit y avoir une mise en DL, ce sera Vincent qui la mettra en DL. Parce que si j'arrive à la finir, je lui enverrai une version pour qu'il la regarde, pour qu'il voie comment elle est et tout. Voir en plus, bon bah voilà, s'il y a des petits trucs à corriger ou quoi que ce soit. Et si ça lui plaît, bah bien entendu, c'est lui qui mettra la map en DL, s'il veut vous la mettre en DL. Car c'est sa map, donc c'est lui qui fera la mise en DL de la map. Voilà, moi je la reconvertis pour moi parce que c'est une map que j'adore. Et vu que j'arrive pas à retourner sur FS17, voilà, je me la reconvertis pour moi perso sur FS19. Et d'ailleurs, pour ton deuxième commentaire, Vincent, ouais, je veux bien ton lien, ouais, de la fabrique pour remplacer l'usine à planches FS17, ouais. Je veux bien, je veux bien. Donc, bah, soit tu me l'envoies en MP sur le Discord ou sur le Facebook, quoi. C'est toi qui vois. Et puis, on essaie de se capter par la même occasion. Donc, voilà. Allez, on est parti, les amis. Comme ça, on va le fermer pour l'instant. Donc, voilà. Là pour la ferme du Bob, bon, je suis obligé de recommencer. J'ai fait une petite connerie hier et du coup, j'arrive pas du tout. Voilà, hier j'ai voulu y aller hier soir et au final j'aurais mieux fait de pas y aller parce que j'ai fait une connerie. C'est dommage, j'avais bien commencé. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la première fois que je recommence. Hein. Ça va relativement vite, hein, au niveau de la reconversion. Voilà, ça va aller vite à recommencer ce que le boulot que j'ai perdu. Puis il y a des petits trucs que j'avais réimportés, mais au final j'aurais pas dû importer, donc au final et je peux tout réimporter et puis supprimer au fur et à mesure, mais je suis pas obligé, donc du coup bah là ce que j'ai pas besoin d'importer, bah je l'importerai pas et puis voilà quoi. Déjà au niveau des textures des bâtiments, c'est bon, j'ai trouvé mon petit truc. En fait, c'était juste une majuscule qui me faisait chier en fait dans l'XML de i3D. Donc maintenant, j'ai vraiment toutes les textures propres. Et pour la cour, en fait. Pour la cour, les pavés, bah, j'ai récupéré les pavés de Overkman qu'on a. Il y a une texture de pavé qui ressemble, donc du coup je prends celle-là.
pour vraiment faire du bon boulot, je me suis racheté une souris hier. Parce que la mienne commençait à déconner et du coup, je voulais vraiment faire. J'ai la roulette qui déconne et tout. Donc du coup, j'ai racheté une souris, je me suis racheté une souris Corsair à 80 €. Ouais, c'est les marques de... c'est les marques que je prends en général, Corsair, ces trucs là quoi. Donc ouais, je pense que je vais repartir sur la conversion après manger, après l'épisode là je vais manger et après je vais repartir sur la conversion, réparer les erreurs que j'ai fait, tout réimporter. Voilà. Puis la prochaine fois, bah, ça m'apprendra. Je ferai une sauvegarde à côté. Pour pas perdre ce que j'ai perdu. Et puis de devoir tout recommencer. On apprend de nos erreurs. Normalement, il y a de la mauvaise herbe là-dedans. Donc normalement, j'ai un GPS pour le pulver. Tac, tac, tac. On affiche. Voilà. On remet les lignes propres. Bon après des erreurs, faut pas que j'en fasse de trop non plus, parce que si je veux la terminer un jour, ce serait plutôt pas mal, faudrait que j'avance. J'aimerais bien la finir pour pouvoir jouer dessus. Oula, oula, oula. Passez donc, les amis. Voilà, on va pulver ce champ là. Tirer toute la mauvaise herbe. Donc j'espère les amis que vous avez passé un bon week-end et que vous avez bien débuté la semaine.
Tac, 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 tac. Parce que pareil, même pour la... Pour le point de vente de betterave et tout, j'ai réussi à... À avoir toutes les textures nickel et tout, propre et tout. Donc, non, franchement, je suis content. Au niveau des textures des bâtiments et tout, j'ai vraiment réussi à tout avoir nickel. Donc, c'est franchement nickel. À ce niveau-là, c'est cool. Quand j'aurai tout remis en place sur le simple map comme j'avais fait avant ma connerie, faut que je m'occupe de remettre les triggers FS19. Pas prendre le GPS pour la base. Comme ça sera mieux. Donc vous voyez, quand on passe le pulvé, ça éclaire sur le terrain, mais ça retire pas. Sortir pas l'engrais qu'on a mis dedans. Première fois que j'ai fait le truc, au départ j'ai peur, putain, ça me retire mon engrais que j'ai mis dedans et tout, mais non, ça retire rien du tout. Voilà, si vous regardez, on a toujours c'est là. Donc voilà, on a plus de mauvaises herbes, mais on a toujours notre étape d'engrais. Donc ce champ là il est à fond, donc c'est nickel. On y arrive bien au champ 8, voire, mais je suis pas sûr que le champ 8, vu qu'il est prêt à récolter, je suis pas sûr que ça va être bon. Ça va peut-être pas marcher. Il y a de grandes chances que ça me pourrisse le truc. Regardez ça. Donc ouais, les pavés que je vous disais que j'avais récupéré de la Overkman, c'est ceux-là. Voilà, c'est les petits pavés comme ça. Pour le corps de fer. Voilà, c'est ces petits pavés-là. C'est le 8, c'est celui-là. Ouais, mais la mauvaise herbe là, ça... là c'est prêt à récolter, donc il y a de grandes chances que ça me détruise tout là. C'est mort, on va laisser tomber. Contrôle S, on va retirer les lignes, hop, hop. On va laisser tomber pour ça.
D'ailleurs, Vincent, je pense que tu regarderas la vidéo. Donc, je voulais te demander, pareil, au niveau de la fabrique du lait de soja, tu penses que si je change juste les triggers, ça fonctionnera ou pas? Herbicide, herbicide. Engrais liquide. Voilà, ça on remplit les deux. Impeccable. Bon, on va éteindre ça. On va regarder au niveau des animaux ce que ça dit. De l'eau. Bon, là, il n'y a plus de lait. On s'en fout. De l'eau. Ok. Il est où mon... Oui, donc là il y a la voiture au fromage. On va déjà s'occuper de l'eau. Ce sera déjà une bonne chose. Attendez, faut que j'ouvre la porte, voilà. Voilà, on va déjà les remplir aux vaches. Non, c'est pas là. J'ai tourné un peu trop tôt. Donc bien sûr pour la reconversion j'ai pris la V1, j'ai pas pris la V2 parce que de toute façon la carrière elle serait pas fonctionnelle, tout ça quoi, donc j'ai pris la V1. D'ailleurs sur le simple même map je vais peut-être rajouter le trèfle, comme ça on aura le trèfle dessus.
Ah, il y a une pâture derrière les cochons et les moutons. Il y a une pâture. Je m'en servirais peut-être pour faire transport d'animaux. Faire une pâture où on peut mettre des vaches dedans. Donc là, les vaches, c'est bon. Les poules et les canards, ils ont besoin d'eau. Les stabules, faut que je voie, parce que vu qu'il y avait le curable dessus, faut que je vois si si je vais pouvoir garder ça là ou pas. Normalement, il n'y a pas de raison. Que je puisse pas la garder. Sinon, je sais que sur une des maps à Daniel du FF17, il y avait des belles estabules dans le même style, en tôle et tout. Donc, je verrai si je récupère pas une de ces estabules là. Je verrai. L'animation des portes aussi, j'ai tout perdu, tout que je repasse. Donc la flotte, c'est bon. La flotte, c'est tout bueno. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à faire? Bah, la paille, tout ça, c'est bon. Là, il faut du foin. L'ensilage. De la ration mélangée. Voilà la rigueur. La rigueur, je vais voir ça par la suite. Je verrai ça par la suite. Nous les amis, on va se quitter là pour cet épisode là. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao ciao les amis.